Dépêchez-vous, entrez! Stop! Seul l'enfant va dans la cellule. C'est le méchant policier. Les parents ne sont pas autorisés. S'il vous plaît, n'emprisonnez pas ma fille. La pauvre petite va être toute seule dans sa cellule. Cette cellule me fait peur. Tout est si sale. J'ai tellement peur. Des donuts? Waouh! Vous ressemblez à ma maman. C'est un masque. Bonjour. C'est la gentille policière. C'est délicieux. Ok, voici ton déjeuner. Mange la pomme. Miam. Oh oh. Que se passe-t-il? Ma dent bouge. Oh non. Attends, je vais tirer dessus. Allez, n'aie pas peur. Pas question. Je vois. Alors je vais l'extraire avec ça. Ah, ça va être plus facile. Au secours, non, non, non. Ne bouge pas. Arrête, laisse-la. Va-t'en et laisse-moi faire. Phew. Que va-t-on faire pour ta dent? Je vais essayer de tirer doucement. Non, ça va faire mal. Comment l'extraire rapidement? Oh, je sais. Un arc et une flèche? Je vais enrouler un bout de la ficelle sur la flèche. Puis je mets l'autre bout autour de ta dent. Rien de plus rapide qu'une flèche en plein vol. Il faut juste faire en sorte qu'elle soit bien attachée à ta dent. Ça devrait aller. Tu es prête? Ouais! Tire! Ça a marché! La dent est tombée! Que je veux pas manger ce porridge aux insectes! J'ai soif. Je vais prendre de l'eau du robinet. Ça ressemble plus à de la sauce soja. L'eau est si sale! Rien de meilleur que les sushis. Hein? Je peux avoir quelque chose de mieux à manger, de l'eau propre. Mais j'ai faim! D'accord. Donne-moi ton porridge et ta boisson. Hein? Je vais rouler le porridge en boule de sushi. Les jambes de Barbie vont servir de baguette. Et ton repas est prêt. Tu as même de la sauce soja. Trempe et mange. J'en veux pas, Burke. J'ai dit mange. Non! Ne gaspille pas la nourriture. Non! Et tu lui fais à manger? Donne-moi ça. J'ai dit donne. Eh bien, un cuisinier doit goûter à ses plats. Tu es policier, pas cuisinier. L'eau est sale à ce point. Que faire? Je sais. Faisons des travaux manuels. Je couvre le haut d'une bouteille en plastique avec un mouchoir et je l'attache avec un élastique. Je la retourne et la place dans un vase. Je prends une poignée de sable bleu que je mets dans la bouteille. Puis j'ajoute des cailloux. Et des graviers colorés. Voilà. C'est parfait. Et enfin, je verse l'eau sale. Un purificateur d'eau instantané. Maintenant, on attend. Voyons si ça marche. Regarde, l'eau est claire. C'est bon, tu peux la boire maintenant. Waouh! À la tienne. Pas mal l'astuce. J'adore les sucettes. Hein? Oh, souris! Burke, la sucette t'a trempé dans la crotte. Qu'y a-t-il? Ma sucette a de la crotte dessus. Dégoûtant. Tu veux une sucette poilue? What? Oh, les mains! Ne tire pas. Éloigne-moi cette sucette de l'enfant. Ok. Oh non, va-t-elle vraiment tirer sur le méchant policier? Hein? S'il te plaît, ne tire pas, j'ai des enfants. C'est juste un pistolet à sucette. Je t'ai eu. Quoi? Je m'en vais. On l'a bien eu. Il te plaît ton nouveau pistolet à sucette? Oui, il est génial. Oh non, je l'ai fait tomber. Mais regarde, le pistolet a protégé ma sucette. Pan, pan, pan. Oh, tu m'as aimé aussi. Oh non, la pauvre petite est malade. Oups, sa morve est partie loin. Oh,
c'est plein de bactéries. Gants, sirop, lunettes de protection. On est bon. Il faut faire vite. Allez. Burk, ne me touche pas dessus. Il faut boire le sirop. Je veux pas de sirop. Puisque c'est comme ça, je vais mettre le médicament dans une seringue. Cette aiguille sera encore pire. Non, ça fait trop peur. Arrête. Oh là là, arrête. J'ai une meilleure idée. Sour potty. Je vais remplacer la poudre par le sirop contre la toux. Et je vais ajouter des vermicelles pour le rendre encore plus sympa. Regarde, tu peux tremper ta sucette dans le bonbon à la fraise. Goûte. C'est délicieux. Yes, je savais que ça allait marcher. J'ai si faim, hein. Waouh, il y a beaucoup de champignons. What? Je les mange. Je suis pas sûre que ces champignons soient bons. Et un cactus? Je vais manger le cactus aussi. Oh, oh, ne mange pas ça. Ah, oh, j'ai une épine dans la langue. Au secours. Où est le criminel? Quoi? Ma langue. Attends, je vais l'enlever avec une pince. Non. Qu'est-ce que c'est que ça? Pas de ça devant un enfant. Va-t'en. Ma pauvre petite, ça doit te faire mal. Ne t'inquiète pas, j'ai un kit de premier secours. Et bon, je vais m'en servir pour pomper l'épine. J'ai même pas eu mal. Yeah! Je suis contente que ça ait marché. J'ai si peur. Hein? Extinction des feux, on dort. Je déteste le noir. Je sais pas si je vais m'endormir. C'est quoi ce bruit? N'est-elle pas au courant qu'il ne faut pas laisser pendre ses pieds car ça attire les monstres? Le voilà! Oh non, il va s'attaquer à elle! Hein? Au secours, il y a un monstre! Oh! C'était quoi ce bruit? Oh, oh! Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un monstre sous mon lit! Un monstre? Les monstres n'existaient pas! Ok, attends! Je t'ai amené de la compagnie. Viens ici. Hé, hey, ça roule, petite fille. Ce prisonnier a l'air d'un gangster. Je vais te lire des histoires qui font peur. Oh ouais. C'est l'histoire d'un monstre géant. Vous me faites peur. Le monstre est de retour et il a ramené un copain. Hein? Monstre! Lâche-moi! J'ai si peur! Moi aussi! En fait, le prisonnier n'est pas si dur à cuire que ça! Que se passe-t-il? Pourquoi criez-vous? Il y a un monstre sous le lit! Comment pouvons-nous nous débarrasser des monstres? Oh, je sais! Je prends ce pot. Merci! D'abord, je verse de la levure dans le pot. Puis, j'ajoute de l'huile végétale jusqu'en haut. Maintenant, je verse du vinaigre dans un autre récipient. Et j'y ajoute du colorant alimentaire vert. Je mélange. Et maintenant, je verse ça dans le pot. On dirait du magma, non? C'est encore mieux en mettant le pot sur une lampe. Ça donne une lampe magma. Waouh, c'est une lampe magma! Regarde ces couleurs! J'adore! Ça a marché! Chut! La petite s'est endormie! Que faites-vous encore ici? Retournez dans votre cellule! Allons-y, Barbie! Oh non! Elle est tombée! Tut tut! Arrête! Attention, trottinette! T'as coupé la tête de ma Barbie! Wow! Qu'est-ce que c'était que ça? Pourquoi elle pleure? Qu'est-ce qu'il y a? T'as cassé la tête de ma Barbie! Arrête de pleurer! Je vais la réparer! Regarde, t'as une autre poupée ici! Je vais juste lui enlever la tête et donner un nouveau corps à Barbie! Parfait! Elle fait peur! Qu'est-ce que t'as fait cette fois-ci?
Elle n'aime pas sa nouvelle Barbie. Elle fait froid dans le dos. Il nous faut une autre solution. Pikachu. Elle me donne une idée. Désolée Barbie, on va devoir te couper les cheveux. Je vais te couper. Maintenant qu'elle est chauve, il sera plus facile de la recouvrir de pâte à modeler. On dirait que Barbie est en train de se transformer. Ensuite, je lui fais prendre une douche de peinture jaune. Puis, je passe un pinceau. Et je lui mets des yeux adorables, un nez, un sourire heureux et des joues roses. Je parie que tu reconnais maintenant, avec sa queue en éclair et ses oreilles pointues. C'est Pikachu! Waouh, c'est Pikachu! Mon nouveau copain! Pew, bien joué! J'ai envie de faire caca! Concentration! Ah, mon caca est sorti! Oh non, la chasse d'eau est cassée! Alerte rouge, les toilettes sont bouchées! On ne veut pas être inondé de crottes! Qu'y a-t-il? Wow, mais qu'est-ce que t'as fait? On peut pas fermer le couvercle? On va le fermer avec du scotch! Non, ça sert à rien! Que se passe-t-il ici? Eh bien, regarde! Oh là là! Sors d'ici, je m'en charge! Comment faire? Oh, voyons le réservoir! Comme je le pensais, il est plein de saleté! Heureusement que j'ai une bombe pour les toilettes! Je la place à l'intérieur et elle nettoie le réservoir! N'oublions pas de tirer la chasse! Au revoir, crotte géante à paillettes! Personne ne veut de toi! Je crois que la crotte passera dans le tuyau! Il va falloir faire ça à la main! Dégoûtant! Et maintenant de la mousse nettoyante! Je la fais tournoyer au milieu et j'ajoute des capsules mystères! Des capsules mystères? Et après? Eh bien, il faut ajouter du savon! Yeah! Vas-y, essaie! C'est marrant! Tout plein de bonnes choses! Toutes ces bulles! Santé! Ok, il est temps de mélanger maintenant! Regarde, les capsules mystères ont éclos! Rassons-les pour les découvrir! Des ours en squishies! Ouais! Je vais bien m'en occuper! Pas étonnant qu'il n'arrive pas à trouver la bonne clé! Waouh, je veux ces squishies! Bon, c'est l'heure du déjeuner! Porridge avec garniture aux insectes! Mais je veux pas manger ça! Hé! Hey! Attention, ces doigts sont écrasés! Oh mince! Fais voir! Oh non, ça a l'air sérieux! On va couvrir ça avec un gant de boxe? Tiens, championne! Hein? Qu'est-ce qui se passe-t-il ici? Elle s'entraîne pour devenir boxeuse! Je te crois pas! Fais-moi voir! Oh non, tu es blessée! Regarde ce que tu as fait! Je suis désolée, mais c'est la porte! Des squishies? Ils sont mous! La gentille policière mijote quelque chose. Je vais coller les squishies sur les barres. Et un sur la serrure aussi. Il est tout mou! Un dernier ici. Voilà! Les squishies vont empêcher la porte de se refermer complètement. Il y en a tellement! Cela enfreint les règles. On doit fermer la porte à clé. Tu parles trop. Il te faut peut-être un encas. Oh, on dirait que quelqu'un prend un bain de slime. C'est Molly. Elle a un rhume. Hein? Attends que je t'enlève cette morve. Arc. Ne t'inquiète pas, j'ai du sirop pour la toux. J'aime pas ça. Je veux ça à la place. Là. Quoi? J'ai trop hâte de goûter à ces candy sprays. Oh, ça pique, mais c'est tellement bon! Quoi? Il est vide? Au revoir! Un candy spray? Un vrai trésor, ça! Bingo! Il est vide? Mais j'ai une meilleure idée! Tu veux du candy spray? Oui! Alors ferme les yeux d'abord! D'accord! Je vais échanger le candy spray contre le sirop pour la toux! Et voilà! Miam, c'était bon! Et je suis sûre que tu te sentiras mieux très vite! Approchez-vous! Remontez votre manche! Oh, ça fait mal!
Au suivant. Oh! Au suivant. C'est à qui? C'est à toi, petite fille. Viens par ici. J'ai peur. Oh non! Sa seringue ressemble à un monstre. Prête? Non! Tu sentiras juste comme une petite piqûre de fourmi. Qu'est-ce qu'il y a? Je déteste les aiguilles. Ça ne va pas aller. Comment la convaincre de se faire vacciner? Oh! Des barrettes en forme de papillon. Je sais. Je vais la mettre sur l'aiguille. Elle ne paraîtra pas si méchante comme ça. Ouah, un papillon sur moi! Ça a marché. Vaccination accomplie. Alors, c'était pas si mal. À vous, monsieur l'agent. Moi... Non. Tu vois, tu as plus de courage qu'un policier. Je vais me nettoyer le visage. Nom d'un petit bonhomme. Hein? Maman! Que se passe-t-il? Molly! Voyons. Des boutons? Ok. Je vais les éclater un par un. Accroche-toi! Aux abris! Mais qu'est-ce que c'est que ce truc dégoûtant? Vous! Que faites-vous? Oups! Pardon. Oh, je sais comment te sauver. Un gadget qui va pomper le pus. Je le place sur le bouton. Et je pompe. Je vais m'abstenir de manger du fromage pendant un bon moment. Mon front est tout doux. Malin, non? Tu es la maman la plus maligne du monde. Vous ne devinerez jamais où Molly cache ses réserves de nourriture. Dans les toilettes. Ah, mon burger Pikachu, ça fait tellement longtemps que j'en ai envie. Délicieux. Cette carotte est bien croquante. Quoi? Molly, qu'est-ce que tu manges? Mon burger Pikachu. Encore de la malbouffe. Ça suffit. Désormais, tu mangeras plus de légumes. Super, le médecin est là. Viens avec moi. Docteur, pouvez-vous apprendre à ma fille comment bien manger? Elle ne mange que des saletés. Un dessin de Pikachu? Que mijote le médecin? Regarde ce Pikachu. Il est malade. Et tu sais pourquoi? On va lui ouvrir le ventre pour le révéler. Incision! Il y a beaucoup de liquide toxique. C'est dégoûtant! C'est à cause de la malbouffe. Essuyons ça avant de procéder à l'extraction. Voyons. Pizza. Frites. Burger. Un maxi en plus. Comment a-t-il pu manger tout ça? Je vais les remplacer par du brocoli. De l'eau. Une pomme. Un pansement pour refermer. Et Pikachu est en pleine forme. J'ai bien regardé. Alors mange des légumes. Ça fait vraiment peur. Maman, donne-moi cette carotte. Il faut que je retrouve la forme. Bien joué, ma fille. Des échardes sur le banc. Attention! Maman, aide-moi! Arrête de courir. Montre-moi. Oh là là, une écharde! Docteur, docteur, aidez-nous! Ma fille est blessée! Que puis-je faire pour vous? Ma fille a une écharde! Je déteste les docteurs! Une écharde, vous dites? Il va nous falloir cette pince. Je rentre! Montre-moi où est l'écharde! Non, c'est trop gros! Qu'est-ce qu'on va faire? Oh! Et votre seringue, docteur? Que fabrique maman? Tourne-toi! Je vais t'enlever cette écharde moi-même. Tu ne sentiras rien quand la seringue fera son travail. J'y suis presque. Elle est sortie! La grande méchante écharde ne te fera plus de mal. J'ai rien senti! Bon, j'ai plus rien à faire ici. Je serai toujours là pour toi, ma chérie. Concentration! Elles arrivent! Les fraises sont sorties! Phew! Quel soulagement! Du papier journal? Je sais pas quoi en faire! Vous êtes si drôle! C'est quoi cette odeur?
c'est pas moi. Maman, tu peux venir? Ça sent les œufs pourris. Oh là. C'est toi qui dégages cette odeur? Voyons voir. C'est dégoûtant. Tu n'as pas essuyé tes fesses. Viens ici. Oh là là, quelle odeur! Je sais pas comment m'essuyer. J'arrive pas à réfléchir avec cette odeur. Attends. L'agent est dans les pommes et il y a des ballons là-bas. Je saisis ma chance. Ce n'est pas le moment de faire la fête. Que fait maman avec ces ballons? Je vais t'apprendre à t'essuyer les fesses. Le Nutella va nous servir d'exemple. On va l'étaler entre les ballons. Tu vois? Maintenant, pour l'enlever, tu essuies avec une lingette. Quand tu as fini, tu la plies et tu la jettes. À ton tour. D'accord, j'essaye. J'essuie comme ça. J'ai réussi. Bravo. Fini les mauvaises odeurs maintenant, d'accord? Waouh! Regardez toutes ces cerises. J'adore ça. Je vais toutes les manger. Rien ne pourra m'arrêter. Oh oh, elle s'étouffe. Viens ici, Molly. Oh non! Allez, recrache! Et voilà les noyaux de cerises. Wow! Des coups de feu! Il pleut des balles! Aux abris! C'est fini? Oh, 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 oh. Ça va mieux. Respire bien fort. Comment faire? Regarde! Une bouteille de coca? Je vais mettre une cerise sur le haut de la bouteille et pousser le noyau à travers à l'aide d'une paille. Et d'un, on continue. Vous ne saviez pas? Je suis une experte. Je pourrais le faire les yeux fermés. Merci, maman! Je vais rajouter des vermicelles au citron sur ma sucette. J'adore les sucettes WC. Allons-y. Ah! Oh non, la dent de Molly bouge! Que s'est-il passé? Ta pauvre dent! Il va falloir l'enlever. Oh non, qu'est-ce que je vais faire? Ah ah! De la ficelle. On va faire ça à l'ancienne. Je mets de la ficelle autour de ta dent et j'attache l'autre bout à la porte. Tu es prête? 1, 2, 3... Monsieur l'agent, au secours! Pam, pam, pam! Quoi? Un appel de détresse? Lorsque l'agent tire sur la porte, la dent de Molly tombe. Mais tirer Molly ne faisait pas partie de la stratégie. Ma dent est toujours là! Un échec monumental. Un pistolet nerf? Je sais comment faire. Ne tirez pas! Les fléchettes nerf sont beaucoup plus rapides. Je vais donc attacher le bout de la ficelle à une fléchette. Tu es prête? Je tire! Ça a marché! Ma dent est tombée! Je peux voir? Super! Tu as été vraiment courageuse, ma chérie. Heureusement que la fléchette est allée dans le mur. Maintenant, il est temps d'appeler la petite souris. Ce poisson n'est même pas cuit. J'arrive pas à le manger. Maman, j'ai mal aux pieds. Pourquoi? Que se passe-t-il? Voyons voir. Oh non, sa chaussure est trop serrée. Ses pauvres doigts de pied sont tout enflés. Oh non. Je vais souffler dessus pour les soulager. Quoi? Un clown? Bonjour monsieur, je peux avoir ces ballons? Ma pauvre fille est triste et je voudrais la faire sourire. Eh bien, c'est interdit d'être triste. Je vais lui montrer quelques-uns de mes tours. Un ballon en forme de chien devrait la faire sourire. Ça suffit les tours! Dans ta cellule! Que va faire maman avec ces ballons? Je coupe le bout de ces ballons. Et je les place autour des doigts de pied de Molly. Chacun son ballon. Cela leur fait une protection instantanée. Tu peux remettre ta chaussure. Confortable, non? C'est comme si je marchais sur des nuages. Ouais! Eh bien, elle va courir toute la soirée. Laissez-nous sortir! Taisez-vous! À
Attention! Comment osez-vous blesser ma fille? Oh mince! Une urgence! Je vais appeler le médecin! Le voici! Entrez, docteur! On dirait qu'il y a un problème ici! Ne t'inquiète pas, cet appareil de radiographie va nous dire ce qui ne va pas! Oh oh! Ton poignet est cassé! Cassé? Oh non! Ma pauvre petite! Qu'est-ce qu'on va faire? Malheureusement, il va lui falloir un plâtre! Un marteau et un burin? Ne me tapez pas! Ça va aller vite! Tu vois? C'est fini! Ça me gêne! Merci, docteur! Il faut juste qu'elle le porte quelque temps! Quoi? Enlevez-moi ça! Non, Molly, tu vas te faire mal! Je peux pas jouer avec un plâtre! Voyons voir. Le gant de l'infini de Thanos? Je sais! Je vais transformer ton plâtre en gant de l'infini! Waouh, j'ai des pouvoirs! Je vais me débarrasser de ce docteur! Non! Qu'est-ce que tu as fait? J'ai juste fait disparaître le méchant docteur! Waouh, Molly avait un burger en pâte à modeler! Ça a l'air trop bon! Je me lance! Non, arrête! Aïe! On ne mange pas ça! Fini les burgers! Tu l'as détruit! C'est pas gentil! Je me sens coupable. Attends que je réfléchisse. Ah! Je vais fabriquer de la pâte à modeler qui se mange. J'ai faim! Quoi? Une pizza en pâte à modeler? Je peux vraiment la manger? Miam! C'est trop bon! T'en mérites un bout, maman. Tiens. Merci, ma chérie. C'est bon. Oups, j'ai pas fini mes besoins. Oh, ça fait longtemps que ces narines n'ont pas été nettoyées. Il faut que je m'essuie. Il vous faut Carlo Crado. Vous allez bien vous entendre. Il a des crottes de nez. Waouh, je peux lui tirer la morve. C'est trop marrant. Oh! Elle est grosse, celle-là! Dégoûtant! Et celle-là est super élastique! Elle est toute emmêlée! Enlevez-moi ça! Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est tout mou et gluant! J'ai une idée! Je vais faire une boule, puis l'aplatir! Je lui mets des yeux! Dernière chose... Ouvre la bouche! Je peux aussi me servir d'une cuillère pour lui ouvrir la bouche! Ou d'un économe! Ils crient tous de joie! J'adore! Et fille acceptée! Voyons combien de sucettes je peux mettre dans ma bouche en même temps! C'est une version intéressante de Chubby Bunny! Pas très marrant quand la sucette est pleine de poils et de poussière! Oh non, ma sucette! Que se passe-t-il? Ne vous inquiétez pas, ce petit bonhomme va protéger votre sucette. Et j'en ai toute une armée. Mon armée de porte-sucettes à moi! Allez, on joue! Tellement sucré! Ma sucette est super sale aussi! Mais attends, c'est pas un Kinder Surprise, ça? Il faut juste faire un trou au fond. Comme ça. Je l'ouvre. Et maintenant, ma sucette va dans le trou. Parfait. Mon porte-sucette. Waouh, des spaghettis de toutes les couleurs. J'ai trop hâte de les manger. Comment sert de ces baguettes à la noix? Oh non. Oh non. Cible en vue. Regarde ce que t'as fait! C'est pas ma faute! Il me faut juste des baguettes plus pratiques! Oh, quelle jolie boîte! Mes nouvelles baguettes, petit chat! Je mets mon pouce et mon index dans les trous, et je peux commencer! C'est trop bon! Pendant ce temps, Chloé n'a même pas de fourchette! Je sais! Que va faire Chloé avec cette Barbie? Ses jambes peuvent me servir de baguette?
besoin de la version petit chat quand on a une Barbie. Super maline cette solution. Tes baguettes sont stupides. Mais attends, c'est ma Barbie ça. Stop! Oh, stupide réveil. Les pièces en or sont très bien contre les poches sous les yeux. Merci, majordome. Oh, j'ai même un jouet. Mais je préfère ceci. La mini-tête. Et pas n'importe quelle tête, un bouchon de dentifrice. Regardez, il vomit le dentifrice doré. Voici comment les gens riches se brossent les dents. Je suis prête. J'ai tourni. Au moins, j'ai des dents en or. Pas mal, non? Voilà Chloé. Oups, encore un accident. Qu'est-ce que c'est? Du slime? Ça me donne une idée. Je suis forte en modelage. Tada! Un bouchon de dentifrice Shrek. Plus qu'à le visser sur le tube de dentifrice. Oups, Shrek ne peut pas s'en empêcher. Maintenant le brossage. C'est dégoûtant! J'espère qu'il est goût charbon. Madison va manger un sandwich à la saucisse pour le déjeuner. Ou plutôt un sandwich sans saucisse. Ma saucisse! Donnez-moi un autre hot dog! Je veux manger! Oh? Un autre! Oh, c'est pas possible! Hé vous, trouvez-moi une autre saucisse qui glisse pas! Tout cet argent, je vais faire de mon mieux! Je vous présente le tranche saucisse! Appuyez et votre saucisse est tranchée! Incroyable! Voyons si elle va tenir. C'est parfait! Ce qui dégoûte une fille riche fait le bonheur d'une fille pauvre. Ces saucisses sont à moi maintenant! Oh, elle arrête pas de bouger! Heureusement que j'ai des pansements pour les tenir en place! Ça devrait tenir! Cette saucisse a vraiment peur des couteaux! Je sais, j'ai un outil secret dans les cheveux! Une fourchette? Il faut juste ajuster les dents à l'aide d'une pince! Maintenant, on dirait une trancheuse! Voyons comment elle coupe facilement la saucisse! Je goûte! Délicieux! Voyons ce que Madison a trouvé! Cool! C'est un jouet culbuto! Majordome, j'en veux d'autres! Yes! Je les veux tous! Bienvenue à la fête des culbuto! Wouh! Ça a l'air génial! Qu'est-ce que je vais faire avec ce ballon nul? Voyons voir... Hein? Il y a des billes dans l'aquarium! Et dans les toilettes aussi! Chloé a quelque chose en tête! Même l'eau sale des toilettes ne la freinera pas! Elle va attraper ses billes! J'en ai plein! Je vais mettre une bille dans le ballon et le gonfler! Ça a l'air super! N'oubliez pas de faire un nœud en haut du ballon pour le fermer! Après, je lui mets des yeux et une bouche! Un visage tout mignon! Trop bien! Mes copains culbuto à moi! C'est parti! Dansez au rythme de la musique! Ouais! Super créatif! T'adores manger des vers de terre! Oh ouf! C'est juste un bonbon! Mais c'est pas un bonbon! Ah! Vous avez déjà vu un ver qui danse? C'est super rigolo! Ah! Un crochet? Chloé essaie de voler le ver avec un crochet! Wow! Hein? Pas de canne à pêche en prison! Achou! Oh, ça va mieux! Prends ça! Ah, je suis pas une poubelle! J'ai une idée! Que va-t-elle faire avec un mouchoir en papier et un pinceau? Tout d'abord, j'enroule le mouchoir autour du pinceau! Puis j'appuie jusqu'à ce qu'il ressemble à un ver. Mon ver a besoin d'individualité, alors j'ajoute des couleurs et des formes sur toute la longueur. Du jaune et du vert aussi. Il est parfait! Bienvenue sur ta nouvelle feuille! Regardez! Mon ver peut ramper à l'aide de ce bout de bois! Wow! Pourquoi mon ver ne fait pas ça? Oh, c'est pas juste!
Je suis jalouse. Et surprise toute molle. Qui veut faire éclater des boutons? Ces oursons n'y verront pas d'inconvénients. Ça a l'air super. Je peux essayer. J'appuie comme ça. Mes cheveux! Viens ici. Reste dans ta propre cellule. Mais je m'ennuie. Qu'est-ce que je vais faire? Wow! C'est du papier bulle, ça? Chloé a quelque chose en tête. Elle remplit les bulles de liquide et les peint. Une tête rouge. Ça a l'air marrant. Et l'éclateur de boutons est prêt. Regarde! C'est quoi? Un éclateur de boutons! Oh! Oups! Je venais juste de finir de me nettoyer! J'adore mes squishies! Ils reviennent à leur forme originale quand on appuie dessus. Même les frites sont toutes molles. J'ai aussi du pop-corn. Un squishy? Moi aussi j'en veux un! Wow! Pourquoi ça glisse ici? Oups, désolé. Nettoie ta propre salive tout de suite. Oui. Attends, une éponge? Que fabrique Chloé? Je coupe les bords pour en faire un cercle. Maintenant, à la peinture. Du rouge et du vert pour les tomates et la salade. Et voilà! Mon propre burger squishy! Une de ces Barbies va être relookée aujourd'hui. Je choisis celle-ci. Je vais te transformer en Nemo. Tout d'abord, je te rase les cheveux. Les cheveux courts t'iront bien. Parfait. Maintenant, je prends des feutres indélébiles pour te faire une couleur stylée. Mercredi Adam serait jalouse de ton maquillage. Il te faut un super tatouage. Et on a fini, Rockstar! Voici ta guitare! Oh yes, rock'n'roll, Barbie! Woo! N'importe quoi! Mais où est ma Barbie? Elle est partie où? Oh non! Barbie fait trempette dans les toilettes! C'est dégoûtant! Burk! Elle est couverte de substances gluantes! Ah! Elle perd ses membres un par un! Il faut faire quelque chose. D'abord, je vais te couper les cheveux et mettre ta tête dans un bout de pâte à modeler. Puis, je fais une boule et j'y ajoute les bras et les jambes de Barbie. Maintenant, je t'arrose de peinture rose. Ça, c'est du relooking. J'ajoute des cure-dents pour les cornes. Puis un cil. Et un œil. Regardez ce joli monstre! Il fait peur, non? On dirait qu'il y a beaucoup de Pokémon dans le coffre de Madison. Eh bien, c'est qui ce Pokémon? On va bientôt le savoir. Hein? Pikachu! C'est Pikachu! Dansons, mon nouveau meilleur ami! Pikachu! Fais la danse de la nage! Pika pika! Oh wow! Salut Pikachu! Et pas notre copine! Occupe-toi de tes affaires! Méchante! Oh oh! Ça complote par ici! Pikachu! Ça, c'est une poignée de main étincelante! Oups! Oh, je crois que je suis grillée! Bien joué, Pikachu! Pikachu! Oh! C'était quoi, ça? Du papier jaune? Je sais! Que fait Chloé avec le papier? Je reconnais cette forme! Elle dessine le visage et les oreilles! C'est un Pikachu en origami! Pika Pika! Je suis Pikachu! Oh! On dirait que Madison construit quelque chose dans Minecraft. Plus de batterie en pleine partie? Quelle horreur! C'est quoi ça? Ouvre-le! Ok. Une belle Minecraft? Je vais casser la boîte avec. Il y a un trésor à l'intérieur! Waouh! Encore des objets Minecraft!
suppose qu'il faut les assembler. Il est mignon, ce cheval squelette. J'adore mon nouvel animal de compagnie. Il est génial. Hé, hey, regarde. Hein? N'est-ce pas Chloé en déguisement Minecraft? Allez, construisons! Cassons ce bloc! Je suis une Minecraft girl! Oh! Oups! Oh là là! Toujours aussi maladroite! On dirait que la famille riche a également droit au porridge aux insectes! Berg! Majordome! Majordome! Va nous acheter quelque chose de bon! C'est quoi ça? De l'argent? C'est bon, j'y vais! Que mijote l'agent? On dirait qu'il fait un trou dans le mur! Un logo McDonald's? C'est un drive! Deux Happy Meals! Merci, monsieur l'agent! Bon appétit! Leur propre McDonald's en prison! Que demander de plus? Elles ont même leur propre homme de ménage! Maladroit un peu! Qu'est-ce qu'il y a? Le repas de la famille pauvre est un porridge aux insectes. Je vais goûter en premier. C'est... bon. Goûte. Berk, je mange pas les araignées. Je veux ce qu'ils mangent. Hein? Des sushis? Pas mal. Je peux me débrouiller avec ce porridge. Que fabrique maman? Une boule de porridge. Maintenant, j'enroule du journal pour en faire des baguettes. L'eau sale ressemble à de la sauce soja. Itadakimasu! Voyons si ces sushis au porridge sont bons. Mmm, il y a un petit goût délicieux. Probablement la rouille du robinet. Les cheveux de Barbie sont trop longs de toute façon. Je m'ennuie. Je vais chercher autre chose à raser. Pourquoi pas les cheveux du majordome? Cible en vue! Des cheveux? Mais ce sont... mes cheveux! C'était quoi ce bruit? Mes cheveux aussi ont été coupés! Non! Donne-moi ça! Ne joue pas avec le rasoir! Majordome, allez lui acheter un nouveau jouet! Je vais voir ce que je trouve. Voilà! Il a besoin d'aller chez le coiffeur! Ce sont des cheveux plaido. Attention à ne pas les confondre avec des spaghettis. Ce jeu n'a aucune limite. Je vais ouvrir mon propre salon de coiffure. Charlotte se sent élégante aujourd'hui. Mais elle préfère recouper les cheveux de quelqu'un d'autre. Oh oh, cible en vue. Elle n'hésite pas à couper tout ça. Hein? Ça chatouille. Des ciseaux? Des cheveux? Qu'est-ce que tu as fait à mes cheveux? Ah! De la laine? On dirait que maman a une idée. Elle coupe un bout de carton en forme de tête, puis ajoute un visage pour en faire une poupée. Maman se sert d'une aiguille pour faire des trous dans la tête de la poupée. Enfin, elle passe la laine dans les trous et les noue, comme ceci. Pas mal! Cette poupée a besoin d'une coupe. À toi de jouer, ma chérie! Je l'adore! Je vais lui faire une nouvelle coiffure! Quant à la frange de maman, elle va peut-être s'y faire. C'est l'heure du déjeuner! 10, 20... Ah! Ça fait mal! Ma fille est blessée! Oh, mince! Mes mains sont enflées! Ma pauvre petite! Faites quelque chose! Je sais! J'ai un gadget de sécurité! Ça va empêcher la porte de se fermer complètement et les doigts ne risquent plus rien! Achou! Oh là là! Bien visé! Attends que j'essuie cette morve! Arc! Oh là là, tu as de la fièvre! Il te faut du spray pour la gorge. Ouvre grand. J'en veux pas. Voyons. Ah ah. Un candy spray.
Hein? Déjà vide? Qui trouve garde? Candy spray et spray médicinal? Hein? Je sais quoi faire! J'ai un candy spray pour toi! Ferme les yeux! Maintenant, je le remplace par le spray pour la gorge! C'est bon le candy spray, n'est-ce pas? Oh là là, elle a tellement de boutons! Dégoûtant! Je crois qu'il va falloir les éclater! J'y vais! Oh non, qu'est-ce qu'on va faire? Oh, j'ai un coup de fil à passer! Qui maman appelle-t-elle? C'était rapide! Me voilà avec mon gadget! Il va aspirer le pus de tes boutons! Oh là là, c'est pas pour les âmes sensibles! Il y a tellement de pus! Ça prouve que ça a marché! Yay, mon visage est tout doux! Ouf! Il faut que j'y aille! Accrochez-vous, docteur! Charlotte ne peut pas s'empêcher d'éclater ses boutons! Le porridge de maman a une autre saveur! Dégoûtant! Arrête d'éclater tes boutons! Que va faire maman maintenant? Du papier bulle et du porridge? Je sais! J'injecte le porridge dans les bulles! Et je les peins pour qu'elles ressemblent à des boutons! Tada! Un éclateur de boutons fait maison! Waouh! C'est beaucoup mieux que d'éclater ses propres boutons! C'est super satisfaisant! Elle ne peut pas s'empêcher de continuer! Tu pourras te lécher les doigts plus tard! Blair! Oh, il y en avait beaucoup là! Manger du chocolat, c'est top! Mais pas quand on a les dents toutes tachées après! Regarde tes dents toutes sales! Va te laver les dents, ma chérie! Non, je veux pas! Plus de dentifrice! Oh, il va nous falloir un autre moyen de convaincre Ellie! Majordome? Oui, madame! De l'argent? Hein? Il y a une fente là-bas! Ça me donne une idée! Ce sont les fesses de Shrek? On peut se servir de Shrek comme bouchon de dentifrice? Shrek a une petite diarrhée mentholée! Waouh, c'est trop cool! C'est un bon moyen de rendre le brossage de dents amusant! J'ai envie de faire pipi! Attends, ne t'assieds pas sur les toilettes! Elles pourraient être sales! Voyons s'il n'y a pas de bactéries avec cette loupe! Tu vois? Berk! Majordome! Il faut nettoyer les toilettes, pas de problème! Vous êtes sûr de maîtriser? Je commence par mettre du désinfectant sur le siège. Parfait! Puis j'ajoute une bombe de bain pour faire de la belle mousse. Et je tire la chasse. Je mets des fleurs en gel pour une bonne odeur. Ça fait aussi une jolie décoration. Tadam! C'est bien gentil, mais Ellie s'impatiente. J'ai presque fini, promis. Il faut juste mettre la housse de siège. Parfait! Les toilettes sont prêtes! Vas-y, ma chérie. Pars! Un peu d'intimité. J'ai envie de faire caca. Oh là là, ces toilettes doivent être bien vieilles. Et froides! Ellie est toute gelée. Aidez-moi! Que s'est-il passé? Le siège des toilettes est gelé! Que faire? Ah! Mon déjeuner préféré! Il me faut cette boîte à pizza. Pas besoin de cette boîte vide. Bingo! Regardez, je vais transformer cette boîte à pizza en siège pour les toilettes. Essaye de t'asseoir maintenant. Je ne veux pas m'asseoir sur ce truc tout gras. Alors, il faut trouver quelque chose de chaud et propre. Pourquoi pas des chaussettes? J'ai une idée. Heureusement que mes chaussettes sont assez élastiques pour passer sur le siège. Et maintenant? C'est chaud! Ellie ne veut rien de tout ça. Et Majordome est maladroit comme d'habitude. J'en veux pas! Ça va pas du tout! Majordome, faites quelque chose!
Quelque chose. On dirait qu'Ellie a une demande particulière. Ah bon? D'accord. Un ouvrier? Que fait-il? Je vais juste rénover les barres de prison. Fini! Tada! Des barres de prison en chamallow? Waouh! Mon rêve est devenu réalité! Yes! Miam! Il y en a encore! Un bain de Skittles! Doucement, tous ces bonbons vont durer une éternité! Une sucette géante? Pas étonnant que Charlotte soit jalouse. Ça a l'air délicieux! Maman, je veux une sucette géante! Sucette? Voyons. J'ai mangé tous mes bonbons. Que vont-elles faire maintenant? Mais regarde cette souris. Où vas-tu, petite souris? Tu vas dans un endroit intéressant? Est-ce que ce sont... Ce sont des morceaux de sucre? Waouh! Je peux en avoir un? Chut! Il me faut aussi la boîte d'allumettes de l'agent. Il a l'air bien occupé. Voyons ce que maman mijote. Je vais ajouter du colorant alimentaire vert au morceau de sucre. Et le réchauffer avec une allumette. Il fond! Je lui mets un bâton de glace. Et voilà! Une sucette! J'ai une surprise pour toi. Sucette! Quelle astuce créative! Le docteur est là pour les échographies. Moi d'abord! Pour tout cet argent, bien sûr! Je veux passer en premier! Je vous donne toutes ces pièces d'or! L'or est bien mieux que l'argent! Princesse Peach passera en premier! Vous devriez avoir honte! Je vais être riche! Alors, commençons l'échographie! Voyons... It's me, Baby Mario! Woohoo! Oh, il est trop mignon! Le bébé vient de sauter? C'est à moi! Vite! Je vais pas faire attendre l'argent! Allons-y! Avant tout, l'argent, s'il vous plaît! 1 000 $... C'est bon! Commençons l'échographie! Je vais poster un selfie sur Instagram! Une poupée magnifique comme maman! En pleine forme et riche! Quoi? Je vous paye une pièce! Une seule pièce? Pas question! Oh oh! Mercredi n'est pas contente! Hein? Où est la sonde? La chose a volé la machine pour mercredi? Je vais le faire moi-même! Pas besoin de docteur quand on peut faire son échographie soi-même! Bien joué la chose! Voyons ce bébé! Excusez-moi, mais vous n'avez pas payé pour l'échographie! Oula! Vous voulez faire du mal à ma maman? Je veux juste la sonde! Salut! Pas de doute, c'est bien le bébé de mercredi! Votre repas! Du porridge aux insectes? Mangez! Le goût est assez unique, n'est-ce pas? Je pensais que mercredi aimerait manger des araignées! Berk! Barbie, elle aussi, doit manger le porridge aux insectes! Berk! Prenez tout cet argent, je veux quelque chose de meilleur! Ça marche! Un sandwich à la saucisse? Enfin de la vraie nourriture! Je dois y aller! C'est vraiment pas juste! Évidemment, Peach doit manger le même porridge! Berk, tenez un lingot, donnez-moi quelque chose de bon à manger. Une pizza? Délicieux! Quoi? Pourquoi elle a le droit à une pizza? J'en veux une! J'ai plus de pizza, mais voulez-vous de la crème chantilly? Je pense pas que la crème chantilly aille bien avec les saucisses. Mais au moins, Barbie est satisfaite. Je veux du sucré aussi! Alors une part de gâteau. Une bonne addition à votre pizza. Ça va pas du tout! Je veux pas de gâteau! La crème chantilly n'est pas bonne non plus! Je m'en fiche, mangez! Oh là là, mangez et puis c'est tout! Pas évident de dormir quand on a un ventre énorme! J'en ai assez, j'appelle les renforts! Aidez-moi! Une licorne? C'est Ken! Je t'ai amené une bouée! Merci d'être venu! Que m'as-tu amené?
Hein? Une bouée? Pourquoi faire? Lève-toi et je vais te montrer. Allonge-toi sur la bouée avec ton ventre dans le trou. D'accord. Comme ça. Waouh, c'est super confortable. Tu vois? Et une licorne pour te faire des câlins. Tu es le meilleur petit ami du monde. Fais de beaux rêves. C'est mignon. Maintenant, Peach est jalouse. Si seulement... Oh! Hello, it's me! Waouh, Mario! Je t'ai amené quelque chose! Waouh, un oreiller de grossesse! C'est génial, il est tellement confortable! J'y vais! C'est super, ça! Son ventre se repose sur l'oreiller. Ils font trop de bruit! Il faut que je ferme le couvercle. Oh oh, son ventre empêche la fermeture. Oh, la chose! Que va faire la chose avec un couteau? Il ne va pas lui couper le ventre! Quoi? Ah, ouf! Il a juste fait un trou dans le couvercle pour passer le ventre de mercredi. La chose travaille bien de ses mains. Boire une bouteille entière de jus de fruits va complètement remplir sa vessie. Oh mince, j'ai envie de faire pipi! Police, venez ici! Emmenez-moi aux toilettes, s'il vous plaît! Les toilettes, hein? Pas de problème, allons-y! Moi aussi, j'ai envie de faire pipi! J'y vais en premier! Ouais! Une main! Je voudrais aussi aller aux toilettes! Prenez mon argent, j'y vais en premier! J'ai un lingot d'or! Évidemment, l'agent choisit l'or! Il a ses priorités! Oh, dépêchez-vous! Vous avez 5 minutes, pas plus. Peach ne rentrera jamais dans ces toilettes sales. Berk, quel monstre habitait ici? Vous allez m'emmener dans des toilettes de luxe. Par ici, s'il vous plaît. Tout est en or, comme vous aimez. C'est parfait! Ah. Enfin, quel soulagement! C'est à qui? À moi, à moi, à moi! J'ai de l'argent! Désolée, la fille riche passe en premier. Allons-y! Ah! Pas question d'utiliser ces toilettes sales! Encore de l'argent! Venez, vous pouvez utiliser celle-ci! Excusez-moi! Dégagez! Il y a déjà quelqu'un! Oups, essayez la porte à côté. Waouh, tout est rose. Ces toilettes sont faites pour moi. Ah, enfin soulagée. Cool, du papier toilette en billets. C'est à moi maintenant. Wow, vous m'avez fait peur. Mais, attendez, comment êtes-vous sortie? Qu'est-ce que... Où sont mes clés? Oh, petite maline. Donne-moi ça! Allez, je vous emmène aux toilettes. Voilà! Quoi? Pas question! Mercredi offre une pièce d'un dollar, mais bien sûr, ce n'est pas assez pour l'agent. Je vous achète vos chaussettes. Mes chaussettes? Que va faire mercredi avec les chaussettes de l'agent? Ah, je vois! Les chaussettes vont recouvrir le siège des toilettes. En plus, c'est chaud! Il faudra juste les mettre au sale après utilisation. C'est l'heure du bain pour ces dames. Évidemment, la méga riche passe en premier. Je parie que sa baignoire est moche. Un bain doré pour vous, princesse Peach. C'est magnifique. Prenez mon peignoir et dégagez. Ah, relax. C'est à moi. Emmenez-moi dans ma salle de bain. C'est long tout ça. Vous avez un rideau et un espace douche rien que pour vous. Super. Un peu d'intimité, s'il vous plaît. Oups, pardon. I'm a Barbie girl in a Barbie world. Oh, je peux pas toucher mes pieds. Il me faut de l'aide. Wow, tout cet argent. En échange contre ces bottes. Intéressant. On verse du savon et de l'eau dedans. Jusqu'en haut. Barbie peut se laver les pieds sans problème. Elle trempe ses pieds et chante sous la douche. Et en deux temps trois mouvements, ses pieds sont propres. Ce gadget est vraiment malin. À vous, mercredi. Votre baignoire est derrière vous.
Juste une petite cuvette. Oh, tournez-vous et donnez-moi un peu d'intimité. Oups, je ne vois rien. C'est une belle cuvette. Il faut juste se faire tout petit. Merci pour le savon, la chose. Tu es une gentille main. Regardez cette minuscule baignoire. Cette loseuse. Mais c'est une cuvette. Vous appelez ça un bain? Oh, les filles ont mis mercredi en colère. Que mijote-t-elle? Je voudrais emprunter ta pomme de douche. Oh, ça va mal finir. La douche de Barbie a besoin de couleur. Voilà, bonne douche. Passons au rinçage. La la la. On a un petit problème coloré. Oh oh, ce sont des piranhas. Mes copains veulent jouer avec toi. Oh, quelque chose m'a mordu. Au secours! Barbie a super hâte de découvrir le sexe de son bébé. Il est temps d'éclater le ballon. C'est une fille, comme cette Barbie. J'ai tellement hâte de la rencontrer. C'est au tour de Princesse Peach de découvrir le sexe de son bébé. Elle va le faire à l'aide d'une piñata. Aïe! Quoi de mieux que tous ces trésors? Mais il y en a un encore mieux. Un Mario Lego? Je vais avoir un garçon! It's a boy! Yay! Mercredi ne veut pas d'un ballon comme tout le monde. Une bombe? Aux abris! Oh! Non, 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 non! C'était moi une! C'est une fille! Ben, je m'en fiche. Je suis vivant! Oh! La femme de ménage a beaucoup à faire. Et on dirait qu'elle a le temps de toucher des ventres de femmes enceintes. Un bidon? Il faut que je le touche! Il est si gros et doux! Qu'est-ce que vous faites? Ne me touchez pas! Prenez mon argent et partez! Cool! Maintenant, je suis riche et je peux toucher un bidon! C'est pas assez? Alors prenez mon pistolet à billets! Wow! Ok, ok, je prends! Un autre bidon! Enfin! Un bidon! Non, non! Arrêtez! Je dois le toucher! Non! Je t'ai eu! Pas si vite! C'est pas trop tôt! Il y a un ventre là-bas que tu peux toucher! C'est mercredi! J'y vais! Je vous surveille! Princesse Peach est interdite d'accès! Merci, monsieur l'agent! Votre bidon est si gros! Qu'est-ce que... Qui vous a autorisé à toucher mon ventre? Dégagez ou sinon... Wow! Pas besoin, j'ai un plan. Que va faire la chose avec ses clous? Il va décorer le ventre de mercredi? C'est tellement ennuyeux. Il vaut mieux en rajouter jusqu'à ce que tout le ventre soit couvert de clous. Personne n'osera toucher un ventre comme ça. Aouh! Ça pique! Ah! Bien joué, la chose. Check. Que font les filles aujourd'hui? Waouh, une poussette royale! Elle est enfin arrivée! Elle est parfaite! Voici votre paiement. Wow! Je vous donne un lingot si vous me donnez la poussette. C'est pas possible! Voici le lingot. Yes, c'est un vrai! Une poussette en or me va beaucoup mieux. C'est pas juste! J'ai acheté en premier! Je me sens un peu coupable. J'ai une idée! Waouh, une poussette en argent? Rien de mieux pour mon bébé! Merci! Wow! Je veux une poussette gothique! Une pièce d'un dollar pour une poussette gothique? À ce prix-là, vous n'allez pas avoir grand-chose. C'est une commode derrière vous? Que fabrique le livreur? C'est bon! Oh, oh! Arrête de me faire sursauter! Je peux rien faire de mieux que ça! Au revoir! Juste un tiroir vide? Mercredi va pouvoir l'améliorer un peu! Si je peux pas acheter de poussette gothique, je vais créer quelque chose! Heureusement que j'ai de la peinture noire! Je vais tout recouvrir de noir comme mon âme! Ensuite, j'ajoute des chaînes rouges et argent autour! Des draps dedans.
et un oreiller dessus. Mon bébé va adorer son berceau suspendu. Eh bien, on dirait que toutes les filles sont contentes de leur poussette. Chacune leur style. Je me mets du vernis. Oh, mon bébé me donne des coups de pied, j'en ai mis partout. Oh non, comment faire? Oh, peut-être que la musique la calmera. Tiens, tu peux emprunter le casque de maman. Son bébé prend de nouveaux selfies. Ah, enfin, ça a marché. Maintenant, je peux finir mes ongles. Oh, mon bébé me donne des coups de pied. Oh, bébé Mario fait peut-être un cauchemar. Le casque marchera peut-être aussi pour toi. Ça ne marche pas. J'ai besoin d'aide. Qui est-ce avec l'agent? Eh bien, c'est la célèbre Billie Stylish. Lâchez-moi. Ça marche. Il adore votre voix. Bébé Mario est dans l'ambiance. Toute cette musique a bien aidé les bébés. Mais ça commence à embêter mercredi. Oh non, maintenant mon bébé proteste. Eh bien, un vrai caprice. Une seconde, je me souviens de quelque chose. Que va faire mercredi avec ses conserves vides? Je relie les conserves avec une ficelle et elles me servent de téléphone pour que mon bébé m'entende. Il était une fois une nuit de tempête, un énorme monstre effrayant. Ça marche! Rien de mieux qu'une petite histoire d'horreur pour endormir bébé mercredi. Super, mon bébé s'est endormi. Je vais me reposer aussi. Mon bébé arrive! Regardez ses os roses! Je vais accoucher! Oh, oh non! La poche de mes os dorés a rompu! Mon bébé arrive! Oh, j'ai mal au ventre. Et ma poche des os a rompu! C'est pas de l'encre de pieuvre, ça. Mercredi va accoucher. Le docteur a du boulot aujourd'hui. Toutes nos femmes enceintes sont prêtes à accoucher. Je commence par qui? Moi, moi, je vous paye. Ça me va très bien. Je peux vous donner plus d'argent. Wow, une valise pleine de billets? Je peux pas refuser. Quoi? J'ai juste une pièce d'1 $. Oh, vous serez la dernière. Allons-y! Évidemment, le docteur a choisi celle qui offrait le plus d'argent. Laissez-moi poser mes billets. Vous êtes prête à accoucher? Respirez profondément et poussez! Je fais ce que je peux! Elle est sortie! Oh, regardez votre jolie petite fille méga riche! Mon bébé en or! Tu es comme ta maman. C'est mon tour. Vite, j'en peux plus. L'argent d'abord. Ça suffit. Maintenant, bébé. Respirez profondément et poussez. Je vois la tête. Encore une poussée. Elle est là. Votre bébé riche est en pleine forme. Oh, comme elle est belle. Mon bébé. Mercredi souffre en silence. Venez ici, femme de ménage. Vous allez m'aider à accoucher tout de suite. Je la balaye? Non, je tire dessus avec mes propres mains. Oh! Allez, poussez! Vous avez un gros bébé. Je pousse! Je l'ai attrapé! Votre bébé s'est volé. Voici ta maman. Mon petit bébé gothique. Tu es enfin avec ta maman.